Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle course de NASCAR, le O'Reilly Auto Parts 500 au Texas. On s'est qualifié 28e et on part tout de suite pour la course, c'est parti, let's go. Ok, on est à côté de Chris Buescher. Et quelqu'un à l'intérieur. Donc on a fait une bonne qualif, hein. 28e, c'est pas dégueu pour nous, hein. Vraiment, c'est pas mal. Natif devant nous. Et on garde notre 28e position. Donc pour l'instant c'est pas mal. Pour l'instant c'est pas mal. Ok, bien ce virage. Très bien fait ce virage pour l'instant. Bon, on est bien là. Les deux premiers tours se passent bien plutôt. Enfin, se passent plutôt bien. Et derrière Matt Tift, on se prend de l'intérieur par Ty Dillon. Et nous, on passe à l'intérieur sur Matt Tift. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Plus que 2 semaines. On est vendredi, je sais plus combien. Dimanche prochain, il y a The Clash. Et ensuite, il y a le Daytona 500. Donc ça, c'est cool. La NASCAR qui va reprendre. Et on est tous contents. Ah, je vous avoue que la NASCAR, ça manque un peu. Hein. Oh, la NASCAR, ça manque un peu. Mais là, avec le Clash qui arrive, on sent déjà les pneus chauds. L'odeur des pneus chauds, l'odeur des échappements. On la sent déjà. De l'essence. Ok, c'est pas mal en vrai, hein. On est 28e, on est à la place où on est qualifié. Alors je suis plus rapide dans les virages, comme d'hab. Il me semble qu'au Texas on y est déjà venu. En début de saison, deuxième course, il me semble. On se fait prendre l'intérieur. C'est pas bon. Par Kligerman. Ok, on tente. Oh là là, on tente le croisé. Incroyable. Et le croisé qui passe. Let's go. Le croisé qui passe. Ok, je suis clear. J'ai les yeux rivés sur mes rétros. Ok, j'ai les deux pneus avant qui s'usent énormément. Ça va être facile ça. Malheureusement, j'ai toujours pas la voiture. J'ai toujours pas une voiture compétitive. Hein. Il me pousse là derrière là. Putain, il m'a poussé le bâtard. Il m'a envoyé dans le mur là, Stenhouse. Foiré, va. Comment il m'a poussé l'autre là? Je suis dégoûté. Ok, bon. 31e. Ah là 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 là. Après on a perdu que 3 positions, on se rappelle, hein, le contrat, c'est 35e. Donc ça va. Ryan Newman devant nous.
Ok, c'est pas mal là. On revient sur Newman. On revient sur Ryan Newman qui est devant nous pour la 30e position. Ça va, pour l'instant on a une bonne voiture, assez facile à manipuler, à conduire. Donc pour l'instant c'est cool. On revient petit à petit sur Newman, ça c'est bien. Oula, je fais un petit écart. Pas mal ça ce qu'on fait là. Là on est bien là. On a Newman devant nous. Allez, allez, allez. On tente à l'intérieur. Ça m'a l'air de passer. Ça m'a l'air de passer. Attention à ce qu'il va ressortir plus vite que nous. Non, c'est bon, on peut se rabattre, c'est parfait. Ça, c'est très beau déplacement pour la 30e place. Tellement impatient que le Daytona 500 arrive, en vrai. Oh là 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 là, moi je vous dis dimanche. Dimanche 16 février, le rendez-vous est pris. Je sais ce que je vais manger. Ce ne serait pas des légumes verts, moi je vous le dis. Ou des légumes vapeur. Ce sera américain comme il faut. Américain à souhait. Je commence à perdre un peu d'adhérence. Quand même. Ok, bien. Oh là. On commence à revenir là. C'est qui devant nous? C'est McDowell devant nous. Parfait. On commence à revenir sur McDowell. Ouais, on le fera en un seul arrêt, hein, le stage, je pense. Et on a laissé sur le carreau Ryan Newman. On revient petit à petit sur McDowell et les autres. Donc là, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. Bon, évidemment, les leaders vont nous prendre des places. Mais. Enfin, vont nous prendre des tours, mais. C'est pas mal. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment pas mal. Regardez comment on revient sur McDowell. Ça, c'est bien, ça. Putain, on est bon. On est bon. Oula. Oula, il y a de la fumée. Eh oui, drapeau jaune. Drapeau jaune, ça fume juste devant nous. Oui, bah évidemment qu'on va... Évidemment qu'on va changer. Tape. Ah, j'ai pas vu comment on était niveau niveau radiateur. Je vais en rajouter un peu. Ouais, je vais en mettre un peu moins. La voiture tourne pas assez, je trouve. Et on va être bon comme ça. Allez, c'est parti. C'est parti. On est 28e. Du coup, tout le monde s'est arrêté. On a gagné une place dans les stands. Jimmy Johnson a perdu 8 places. Il a dû sans doute réparer. Je ne sais pas. Allez, c'est reparti. C'est reparti pour ce restart. On a 31 tours d'essence dans le réservoir. Donc ça va être assez pour finir. Donc maintenant, ce qui nous occupe, c'est juste les positions pour le stage 1. C'est parti. Pour l'instant, on est toujours dans le tour du leader. En plus, ça c'est cool. Jimmy Johnson qui nous passe, c'est pas une grande surprise.
Alors sur cette course, c'est vraiment une question de rythme. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas besoin de freiner. Par contre, il y a besoin de décélérer. Il faut garder la gâchette d'accélération plus ou moins appuyée. Sympa. Là où certains rythmes de course, faut freiner au bon endroit et tout ça sur les short tracks et tout. Là, faut vraiment doser l'accélération et tout. Et l'entrée de virage. C'est cool. Sympa. J'aime bien. J'aime bien. Ok, on s'est prendre à l'intérieur. C'est qui nous passe là? C'est Gogan de ce que j'ai vu. Ouais, Brandon Gogan. On va se remettre derrière lui. Et on va tenter de le repasser. Incroyable ce chassé croisé. Oh là 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 là, mais quelle course pour l'instant, mesdames et messieurs. Quelle course. Corée la joie devant nous. Eh, on est bien, hein, 29ème, on tient bien et tout. Hein. Franchement, si on pouvait viser le top 25, ça serait cool. Hein. Oh là là, mais on passe en plus. On passe Corée la joie, mais incroyable. Mais quel début de course magnifique de notre part. Quel début de course magnifique de notre part. Ça, c'est bien ça. Là, on kiffe. Là, on est en plein kiff. On a David Ragan devant nous, on a Kligerman aussi. David Ragan qui, je crois, a pris sa retraite. Hein. Il me semble. On le verra pas la saison 2020. Vous voyez comment je décélère sans trop... c'est vraiment, faut doser l'accélération. Franchement, c'est cool. C'est cool à jouer. C'est sympa, j'aime bien. Ragan. Ragan devant nous. Eh, on roule bien. La vache. Eh, on roule bien. Moi, je vous le dis, les mecs, on rigole pas là. Là, on n'est pas venu pour jouer. On n'est pas venu pour trier les lentilles. Là, j'ai un peu trop décéléré, vous voyez. J'ai relâché trop ma gâchette. Du coup, on a senti le boum. Il n'y avait plus de jus. Alors que là, regardez, voilà, vous entendez, on garde un petit filet, quoi. On garde un petit filet et ça, c'est cool. Enfin, c'est agréable à jouer, en fait. C'est vraiment, ça change. Et c'est cool à jouer. Bon, Ragan, par contre, il nous a repris un peu de distance. Ça, c'est pas ouf. David Ragan nous a repris un peu de distance. Bien ça, putain. On a bien pris ce virage. On l'a très bien pris ce virage. Par contre, ouais, il nous redistance un peu là. C'est pas fou. J'aime beaucoup la vue cockpit. Hein. Je sais pas vous, mais moi la vue cockpit. Dans un jeu de course bien fait, la vue cockpit, je trouve que ça change beaucoup de choses. J'adore la vue cockpit. Puis en plus, j'ai eu quelques commentaires comme quoi la vue cockpit était mieux, donc je l'ai laissé. Pas mal ça. Bon, on tient bien, on tient notre 28ème place. On est bien. On est bien. Dans les virages, ça se voit, on revient un peu sur Ragan et tout. Sur Ryan et compagnie. Ça, c'est bien. 13 tours avant la fin du stage 1. Je sais pas si ça va suffire pour qu'on reste dans le tour des leaders, mais... Ah non! Ah, j'ai frotté le mur! J'ai frotté le mur! Ah, j'ai la voiture qui ne tourne pas assez. J'ai la voiture qui ne tourne pas assez. Ah, du coup, voilà. Là, tu touches le mur, tu perds le rythme. Ouais, j'ai mal pris ce virage aussi.
Allez, il faut se remettre dedans. J'ai frôlé le mur. Attention. Attention. C'est le premier virage qui me gêne un peu. Ok, on a bien dosé. Wouhou, ça glisse un peu là. Oula, ça glisse un peu. Je pense qu'on réussira à rester dans le tour du leader. Pour le premier segment, c'est cool. Ok, pas mal. On a réussi à se réajuster. C'est bien. Tente la voie extérieure. Je voulais juste voir ce que ça fait. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on n'est pas bien? Bon, ouais, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. Ok, on revient. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien, on revient. On revient sur David Ragan qui perd un peu hein, quand même, hein, mine de rien. Hein. Il n'a plus l'aspiration de l'autre. De Parker Kligerman. Donc là on est bien. Là on est pas mal. Il nous reste combien de tours? Il nous en reste 8. Et on tente l'intérieur. On tente l'extérieur sur David Ragan. Je chasse un peu quand même là. Et c'est bon, ça passe. Let's go. 27ème, on a gagné. On est en positif. On a gagné une petite place comparé à, au départ. Et drapeau jaune. Drapeau jaune. J'ai pas envie de m'arrêter moi perso. J'ai pas envie de m'arrêter. Donc on va pas s'arrêter. Ah putain, j'ai pas regardé l'huile encore. Bon, c'est pas grave. Non, j'ai dit que je vais pas m'arrêter de toute façon. J'ai pas envie de m'arrêter. On va prendre le risque. Il nous reste que très peu de tours. Et on est 20ème. Bon, pas beaucoup de gens se sont arrêtés quoi. Allez, c'est parti. C'est parti, le restart. Il nous reste 4 tours à faire. Wouhou! Oh ouais, ça glisse par contre là. Ouh là, ça, là par contre ça glisse, on avait les pneus un peu froids. Là par contre ça glisse. Wouhou! J'ai fait un peu de patinoire là. Oh putain. Oh bordel. Oh putain le bordel. Ok, c'est pas mal. Ouais, ça glisse hein. Ça glisse, faut que les pneus réchauffent. Ceux-là, ça glisse énormément. Là, on a les pneus frais. On a les pneus froids, pardon. Et usés. C'est pas forcément le meilleur, quoi. Ah. Ouais, 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 je l'ai vu. Arrête de me pousser, arrête de me pousser. Ah non, oh putain. Oh oui, oh ouais, j'ai tapé là. Oh ouais, j'ai tapé. Oh ouais, j'ai tapé. Non. Y'a pas de drapeau jaune là-dessus? Comment ça, y'a pas de drapeau jaune là-dessus? Je suis en galère, y'avait pas de drapeau jaune. C'est quoi cette merde? Oh putain, il m'a mis dans le... Ah... Bon après c'est moi mais j'ai essayé de me... Ah putain. Voilà, bon, j'avais plus le rythme, j'avais plus les pneus, j'avais plus rien, j'avais... Et j'ai encore pas regardé le tape. Mais je crois... Si, enfin ce que j'en ai vu vite fait d'un oeil, je vais mettre 50%. Accepte, avance. Et on est 35ème du coup, on a perdu pas mal de place. On a perdu pas mal de... Le drapeau jaune qui est pas sorti tout de suite. Allez c'est parti. Pour le restart de ce début de deuxième session.
Et on est 36ème, hein. On était bien là. Et ah là 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 là. On n'avait pas les bons. Là, on aurait dû. On a mal géré en fait. Le fait qu'on ne se soit pas arrêté. On a vraiment mal géré. On a mal géré le bail. Mais bon. C'est pas grave. On va essayer de se rattraper. Prenant déjà un bon restart pour ce début de second segment. Ok, faut qu'on se batte là. Là, faut qu'on se batte pour remonter. Ça va être temps d'axe, mais là, on remonte Tada. On va tenter celle-là. Ok. Bon. Faut qu'on remonte là. Là, faut qu'on remonte vraiment. On a une bonne voiture en plus, hein. Comparé à certaines. Je parle pas de gagner la course, hein. Mais comparé à certaines, on a une bonne voiture. Ouh là là, par contre, devant, waouh, 4 de front. 4 de front devant, je sais pas si vous voyez la bagarre de ouf. Mais 4 de front devant. Attention, attention, ça peut vite partir au crash, ça. Faut pas qu'on y soit mêlé parce que là, oh le bordel. Allez. Oh là là, c'est très serré comme restart pour l'instant. On tente l'intérieur. Ok, c'est pas mal ça ce qu'on fait. On nous push en plus. Ok, bien. Oh là là, comment on remonte comme une balle. Attends, on va tenter intérieur. On va tenter intérieur. Oh là là, on est des malades mentales. Regardez-moi cette conduite super dangereuse qu'on est en train de faire là. Mais on est en train de remonter, hein, par contre. Oh putain. Oula, ça tamponne de partout. Attention. McLeod là, bouge ton cul. McLeod là. Ouais, pareil, j'ai vu. Ok, on se push un peu. Ça, c'est bien ça. Let's go. Et on est 27ème. Et regardez la remontada qu'on vient de faire. Plutôt cool. Belle remontada. Hop, on pousse un peu Bubba Wallace. On tente l'intérieur même sur Bubba Wallace, attention. Mais c'est quoi cette remontée? Qu'est-ce que c'est que cette remontée incroyable qu'on est en train de faire pour l'instant? On est derrière Matt Di Benedetto. Oh là 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 là, mais quelle course! Quelle course! C'est peut-être la meilleure course de l'année pour l'instant. Attention, attention. Ah, si on se plante là, là j'aurais bien le démon là, si on se plante là. Attention. Oh putain. Oh là, c'est trop chaud. Oh, c'est trop chaud, Je vais craquer mon slip. C'est beaucoup trop chaud là. Ok, pas mal. Corée la joie. Devant nous maintenant. Eh, on remonte un 25ème. Hein. Oh la vache. Eh, le tape, hein. Ah, j'ai raté. Alors là, j'ai raté mon virage. Du coup, je suis deg. Et inside. Attention, attention. Pas se déconcentrer. Faut pas se déconcentrer. Wouhou. Oh, comment c'est chaud. London Castle derrière maintenant. Qui tente de nous repasser. Attention, attention. Hein, faut pas qu'on perde le fil. Très serré hein, pour l'instant ce début de segment 2 là. Incroyablement serré mais passionnant. Passionnant pour l'instant. On tente de repasser London. Ouais, c'était London Castle à l'extérieur, mais ça ne passe pas. Très serré hein. Ce segment 2 là, très serré. Très cool à jouer. Il tente de nous croiser. Oh là 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 là, c'est très chaud. Mais on se bat pour la 25ème. Hein. Là, c'est bien là ce qu'on fait. Très bien ce qu'on fait là. Oh là là, on s'est fait pousser. On s'est fait pousser dans le virage. Ça, c'est pas cool. C'est Austin Dillon. Looking inside now.
Mais what? Oh là là, vous avez vu le score? On vient de se faire taper alors que là j'étais bien à l'extérieur. Je pense que Austin Dillon il a fait le nerveux. Il a fait le nerveux, Austin Dillon là. Il a poussé Corey LaJoie sur moi. Il a fait le nerveux là, le boy là. Ok, pour l'instant on est bien. C'est vraiment le premier virage. Premier virage, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi le premier virage, j'ai du mal. La voiture qui tourne pas assez, je trouve. Je sais pas, mais. Oh là là, ça a failli toucher avec Austin Dillon. Encore une fois, c'est très très chaud entre moi et Austin Dillon là. C'est très très chaud. McGowell maintenant devant nous. On va essayer de lui. On va essayer de prendre sa 26e place. Et c'est bon hein, ce qu'on fait pour l'instant. Et on fait une excellente course. Et en plus, elle est vraiment passionnante. Allez, top 25 là. Oh, qu'est-ce qu'on serait bien le top 25. Ah, elle tourne pas assez dans le premier virage. Elle tourne pas assez. Par contre, dans le deuxième, elle est bien. Dans le deuxième, elle est bien. Ok. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. On revient sur Kligerman et sa 25e position. Il y a un top 20 hein, potentiel. Hein. Il y a un top 20 potentiel. Entre les drapeaux jaunes, les fans stage et tout ça, il y a un top 20 potentiel. Hein. Ouh là là. Oh, Kligerman, il s'est rabattu devant moi là. J'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé, on le pousse un peu. Et on est bien. Oh la vache, quelle course! Austin Dillon qui a un petit coup de mou là, on va essayer de le passer. Attention, on est à 3 de front quasiment. Allez, allez, Kligerman, oh, je tente de passer. Oh j'ai. Vous avez vu ou pas? Dans l'herbe un peu. Je l'ai senti. Dans l'herbe. Et on en passe deux d'un coup. Quasiment. Je suis clear. Outside. Je suis clear ou je suis outside? Il y a outside. ROG. Commence pas à merder là. Là mon pote commence pas à merder. Roger. Commence pas. Oula, j'ai failli. Oh, j'ai failli faire de la merde là. Mais il m'a poussé encore hein. Oh, on n'est pas dans un short track hein. Austin Dillon, calme-toi. Austin Dillon, il est trop chaud. Austin Dillon, il est beaucoup trop chaud. Attention. Attention qu'il nous mène pas au crash lui. Attention, parce que lui je l'ai à l'œil lui hein. Attention le Dillon là. Attention. De toute façon il va finir derrière moi, moi je vous le dis. Austin Dillon, il finit derrière moi. C'est acté hein. Moi je vous le dis, c'est acté 100%. Oh là là, parfait ce virage là par contre. Oh là 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 là, Austin Dillon, on tente de le repasser. Putain, incroyable ça. Ah non, j'ai glissé. Ouh, j'ai glissé à mort. J'ai glissé à mort. Ah ouais, putain. Là, j'ai fait un. Oh, j'ai fait un beau truc là. Là, j'ai fait un petit truc là. J'ai les pneus qui commencent à.
à sentir pas bon là. Attention, on se bat bien. Et franchement, la course est vraiment cool. Attention, j'ai les pneus vraiment qui commencent à faire des siennes là. Oula putain. C'est pas stable du tout. On roule sur des œufs. Attention, c'est la merde là. Faut pas qu'on se plante. Faut pas qu'on se plante. J'ai la voiture qui dérape dans tous les sens. Mais la course est bien. Attention, Price. Oh là 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 là. Attention, attention. Oh là là. Les, mes amis. Mes aïeux. Je glisse beaucoup hein, quand même. Je glisse énormément. Ouais, regardez comment je glisse. Oh là là, la vache. Je suis en galère sur mes pneus là. Je suis en galère sur mes pneus. Oh ouais, je suis bien en galère là. Oh ouais, oh putain. Oh putain. Oh putain, ah ouais, là. Aïe 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 aïe. Attention, attention. Attention, c'est la merde. Les manips que je suis obligé de faire sur le volant là pour rester dans la trajectoire, c'est très 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 chaud. Regardez. Et là, j'ai la voiture pas en couille là. Oh oui, oh putain, oh putain. Oh oui. Oh, au secours. Je roule sur des œufs. Et il y a des Niamlin derrière nous qui va nous prendre un tour. Oh là là, là j'ai bien le seum. Oh. Oula, 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 non. Je suis en galère, je suis en galère, je suis en galère, je suis en galère, je suis en galère. Je suis en galère. Je suis en galère, je pense que je vais m'arrêter là. Oh, parce que là, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Oh ouais, 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 là. Oh là, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oula, oh ouais, oh putain, la vache. Non. Non, s'il vous plaît. Non. Ah, je vais m'arrêter, hein. Je crois que je vais m'arrêter. Merde, 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 non. Aéro, oh non, putain, je me suis chié. Bon, bah, c'est bien, j'avais besoin de m'arrêter. Yes. un peu chiant, là. Un peu chiant, là, ce qui nous arrive, là. Est-ce que je remettrai pas un peu comme ça? Comme ça, quand j'aurai les pneus, en fait, elle survire de ouf quand j'ai les pneus de qui merde, quoi. Oh, je suis 37e, je suis dégoûté. Je suis 37e, je suis dégoûté. Putain. Allez, allez. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Faut qu'on fasse encore une remontada. Faut qu'on fasse encore une remontada. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. La remontada, encore une fois. C'est quand même super dur de conduire avec les pneus usés. Hein. Vache, on se rend pas compte, mais. Mais vraiment, c'est quand même archi dur. Joey Gaze qui m'emmerde là. Joey Gaze qui m'emmerde là. Il est 100 fois plus lent que moi et faut pas que je perde patience. Faut pas que je perde patience. Oh, par contre là on me bouscule un peu. Et oh, je suis dans ma trajectoire hein. Commencez pas à me chier des trucs de merde là. Déjà que je viens de me planter deux fois là, je suis un peu vénère. Parce que la course en plus c'était cool. Inside de quoi? Y'a plus personne inside mon pote. Voilà, c'est moi qui suis inside là.
Regarde. What? Voilà, c'est moi qui suis inside. Y'a plus personne inside, mec. Allez. Bah voilà, reviens là. Et putain, comment je suis vénère, là. D'avoir fait... de la merde. C'est vrai que j'ai pas pensé à checker le retour dans les stands. C'est super dur à voir, quand même, le retour dans les stands. Quand on est dans cette vue-là, faut la connaître. À chaque fois que j'oublie, mais il faut que j'y pense. Bah voilà, je tente de le passer. Attention. Ok, bon. Putain, on a la 28e place devant nous, mais... genre, vraiment, c'est... on se battait pour la 25e, quand même. Et d'un coup, d'un seul, les pneus, ils répondaient plus. Je suis un peu énervé, là. Je suis un peu énervé de ce qui vient de se passer. En plus, on se plante quand on veut rentrer dans les stands. Je suis un peu énervé, là. Allez, on remonte un peu. On remonte. Mais putain, wesh. Oh là là, les mecs, quoi. Il m'avait pas dit inside en plus, l'autre, là. Il n'avait pas dit outside. Roger, là. Là, on n'est pas bien. Parce que déjà que je fais de la merde, si toi, en plus, tu fais de la merde, on est dans la merde. Voilà, outside. Je le sais. Et voilà. Di Benedetto. Ok, bon, c'est la merde là. C'est la merde, on aurait pu viser beaucoup mieux. Encore une fois, comme à Martinsville et tout. Oh là là, et on se chie dans le money time, quoi. Ah, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. La course n'est pas finie, mais bon. Et on a passé, Di Benedetto, on revient sur Newman. J'ai fait des réglages. Mes réglages, les ai fait vraiment pour éviter de... de survirer au maximum quand j'ai les pneus pas bien. Là, je suis en galère. Je suis plus dans le rythme là. Je le sens que je suis plus dans le rythme. Ok, 30e, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Tout le monde décide de s'arrêter, je vais faire de même. Mettre un peu moins. Je suis en train de réfléchir. Alors, putain, je sais plus mes pressions de pneus. Ah, je savais plus ma pression de pneus. Et j'ai le waiver round du coup. Je suis dans le tour du leader. J'étais le Lucky Doug. Et ben je ne le savais même pas. Roger, tu me l'as pas dit. Eh Roger, attends, je comprends pas. Oh, putain, ça a commencé. Oh, j'avais pas la main sur la manette. Ok, c'est reparti. Donc on est 28ème, écoutez. Ragan devant nous. Par contre, on est dernier dans le peloton. Voilà, tout simplement. Pas forcément la... pas forcément une bonne nouvelle, mais bon. Allez. Je vais gagner 37ème, donc lui on s'en fout. Nous c'est Ragan qui nous intéresse. Pour l'instant.
Ça frotte de partout. You clear. Ok Roger, merci. Merci Roger. Truex. J'ai vraiment du mal dans le premier virage par contre. Wouhou. Let's go. Oula. Ah, le problème c'est que là je roule avec les plus lents. En fait le truc c'est que rouler avec les plus lents du coup ça te fausse ton rythme. Et du coup bah vu que t'as pas de rythme tu roules moins bien quoi. C'est quoi ces gants dégueulasses que j'ai là? Putain je les avais même pas vus. J'avais même pas remarqué mais j'ai des gants infâmes. C'est quand que je suis sponsor Nike ou Jordan. Ou Adidas, non je crois que c'est Adidas, c'est pas Nike, je crois que c'est Adidas. Moi je veux les gants squelettes de Harvick, il me semble. Ok, pas mal. Enfin, j'ai ça. J'ai ça à Reagan et derrière nous. Ok. Il y a quelqu'un outside. On l'a vu. On va pas se planter. Putain, allez, Wallace, là, tu nous gênes. Ah, Wallace. Booba. Oh, Booba. Booba, tu nous gênes un peu là. Là, je vais pas te mentir que tu nous fais un peu chier, ma couille. Bon, bien ça. Allez, on tente à l'extérieur. Et hop, ça passe. Parfait. J'ai vraiment pas de réaccélération, par contre je le sens parce que regardez. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bien ça. Bien pris ce virage. Oula, 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 attendez, il y a du trafic un peu devant. Attention. Ça a gêné, il y a eu un... Il y a dû avoir une petite erreur de quelqu'un là. Et du coup, ça a foutu tout le monde dans la merde. Je suis obligé de faire déjà des manips dans ma... Sur ma voiture, c'est un peu chiant. Putain, je suis déjà à 57%. Ok. Newman, on s'en fout aussi. Newman, on s'en fout parce qu'il est derrière nous. Gogan, on s'en fout aussi, il est derrière nous. C'est qui le prochain nous sur notre liste là? Michael McDowell, il est juste devant. C'est la jaune. Quand je suis concentré, parce que là, j'ai les pneus qui commencent à déjà un peu faire de la merde. On est bien. Et la course quand même reste vraiment vraiment sympa à jouer. Faut pas que je me plante quoi, c'est tout. Gogan, tu nous emmerdes, voilà, je tiens à te le dire. Tu nous fais royalement chier. À être lent comme ça, là. Non, quoi? Mais pourquoi?
Alors là, j'ai pas du tout donné de coup de volant ni rien. Oh, je suis dégoûté. C'est quoi cette merde? J'ai donné aucun coup de volant ni rien. Ouais. Ouais, je suis dégoûté. J'ai donné aucun coup de volant ni rien. Genre, j'étais parfaitement. Ouais, je suis en galère là maintenant. Je suis en galère. Putain. C'est une blague. Oh. Oh, c'est une blague. Je donne pas de coup de volant là. Je ne fais rien. Je ne donne pas de coup de volant. J'essaye de rester maximum dans ma trajectoire, mais je sais pas. Ouais, mais je glisse, c'est infâme. Oh là là, c'est dur. Là, c'est dur. Hein. Ok, bon. Oh là, je touche le mur et tout. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon ce qui se passe là. Ah! La voiture qui part d'un coup, ça m'énerve. Là, faut que j'apprenne à contrôler la voiture qui part d'un coup comme ça. Parce que là. Regardez. Ah putain. Je ne fais rien hein, pourtant. Ah, je ne fais rien, la voiture part toute seule. Je suis toujours dans le tour du leader, je ne sais pas comment j'ai fait. Personne ne s'arrête. Putain. Il reste combien? 76? 71 laps. Ouais, je m'arrête hein. Je m'arrête mais... Je m'arrête, je veux bien m'arrêter, mais... Putain. Ouais, bon, allez. On va faire ça comme ça, mais... Faut que je trouve une solution là. Ah non merde, je me suis pas arrêté. Oh putain, je me suis pas arrêté. Oh c'est loose. J'ai pas appuyé sur m'arrêter, je suis dans la merde. Je suis dans la merde, voilà, je suis dans la merde. Après, personne, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'est arrêté, donc j'ai peut-être mes chances, hein, mais... Oh, au secours. C'est horrible. Cette course est horrible. Et putain de merde. Ah, je me déteste. Je me déteste. Ah ouais, bien hop, voilà. Ah, tout le monde s'y met. Putain, je me déteste. Mais arrête. Bon, après les mecs me poussent derrière. Ouais, c'est bon, c'est fini. Bon, allez, cette fois je m'arrête. Putain de merde. Je n'arrive pas à contrôler cette voiture. Si je fais ça comme ça, logiquement, ça devrait le faire. Allez. 28ème. J'ai augmenté la pression de mes pneus pour pouvoir équilibrer. Mais putain, mais 4 drapeaux jaunes. Hein. 4 drapeaux jaunes. Mais c'est impossible de la conduire. Hein. En fait, le problème aussi, c'est le joystick. Tu mets un coup de joystick, c'est comme si tu mettais un énorme coup de volant. Et du coup, c'est pas super dur à manipuler, bref. Inside.
Allez, c'est reparti. C'est reparti, on oublie. Il nous reste 60 tours. Oh putain, je suis dégoûté. Ça va être la merde. Hein. Ça va être la merde, mais bon. Personne outside. Allez, allez. On tente de se reconcentrer. Le problème c'est que c'est, ouais, c'est le joystick. Ça serait tellement mieux de jouer avec un volant. Parce que joystick, c'est soit, enfin, tu mets des à-coups quoi. Donc du coup, quand t'as les pneus un peu usés, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Allez, 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 c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. De toute façon, on est 28ème. 28ème et le 30ème, il est à un tour. Donc bon, c'est pas fini. Hein. On a quand même causé 3 drapeaux jaunes. Hein. Ce qui est pas ouf. Ce premier virage, je ne sais pas comment le prendre. Oh chef, je contrôle plus rien, chef. Allez, 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 allez. On laisse toujours le petit filet de gaz. Combien au niveau des pressions de pneus? Ah, je suis beaucoup plus à l'avant qu'à l'arrière maintenant. Je suis niveau température des pneus là. Faut que j'augmente l'arrière maintenant. Faut que je rabaisse le. Surtout que je rabaisse le devant. Voilà, il y a. Il y a 40 degrés d'écart entre ma roue avant et ma roue arrière. C'est pas ouf. Je crois qu'il en faut 10 minimum donc. Allez, c'est pas grave, faut qu'on tienne, faut qu'on tienne. Je veux juste voir où est le... Où est la voie des stands là que je me gourre pas? Parce qu'il va falloir rentrer. En vrai, la vue comme ça est bien aussi. Hein. Ouais, on va essayer de rouler en vue comme ça. Peut-être que ça va nous aider. Hein. Je sais pas, je cherche toutes les solutions possibles et imaginables. Déjà on a des trajectoires un peu mieux. Bon, vu comme ça, je veux pas dire, mais... C'est en dessous de 50%. En dessous de 50%, les pneus deviennent vraiment, vraiment... C'est la cata, quoi.
Ouais. Quand tu vraiment quand tu donnes un petit coup de joystick en trop, c'est dur. Et là, ma température de pneu s'est stabilisée. Regardez, on est à ouais, 10 degrés d'écart à peu près. Par contre, c'est l'extérieur, je vais un peu baisser. L'intérieur, par contre, les roues intérieures, j'ai un peu les baisser. Ok, d'accord. Oh, j'ai troll encore. Oh là 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 là, non. Putain. Je suis une merde. C'est Di Benedetto là qu'il faut pas que je laisse passer. Allez, allez, allez. Faut pas que je me laisse aller. Di Benedetto. On va se battre. À la vie, à la mort. On va se battre. C'est très serré, c'est très tendu. Mais je n'ai pas touché au volant. Putain, je suis dégoûté. Là, je sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas touché au volant. Voilà, je sais pas. Voilà, on sait pas. J'ai envie de me tirer une balle en fait. J'ai juste envie de me tirer une balle là. Putain. On va s'arrêter. Donc j'ai dit que je baissais l'avant. Un peu. Corée la joie, le free pass. Putain, j'en peux plus de cette course. J'ai les nerfs qui lâchent, les gars. J'ai les nerfs qui lâchent. Allez, 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 allez. Restez calme. Faut surtout rester calme. Pas de panique. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un volant. En vrai de vrai.
Oh là là, je passe entre les deux, je sais pas ce que je fais là, mais. Ok, c'est bon, ça passe, mais bon, je me fais peur à moi-même là. Attention. Ok, la voie des stands, je vois où elle est. En vrai, pour la voie des stands, par contre, c'est beaucoup plus pratique d'être comme ça, donc je pense que je vais rester comme ça. Je suis désolé pour ceux qui préfèrent la voie cockpit. Let's go. Allez, Di Benedetto devant nous. Par contre, quand on a les pneus neufs, hein. Alors là, par contre, on est bon. Par contre, il m'a poussé là, je suis dégoûté. Gauguin qui nous passe devant. Ok, je reçois encore un petit bump. Et on passe Gauguin. Let's go, 26ème. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini. J'ai juste peur que quand j'ai des nouveaux pneus. Enfin, quand j'aurai les pneus usés, pardon. J'ai peur. London Cassil qui tente de nous passer. Il est 30ème, donc on peut le laisser passer. On s'en bat un peu les couilles. Gauguin par contre, lui on s'en tape pas, lui. Ok, voie extérieure me réussit pas du tout. La voie extérieure me réussit pas du tout. Di Benedetto qui tente de nous faire intérieur. C'est chaud, c'est très 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 chaud. Attention. Ah, par contre, ils ont une bien meilleure voiture que moi là. En fin d'épreuve, j'ai l'impression. Enfin, là, ils. Pour l'instant, là, j'ai des bonnes trajectoires. Ok, drapeau jaune. Drapeau jaune. J'ai 24. Attendez. Estimate fuel, 24. J'irai pas au bout des 37. Non, je vais pas m'arrêter. Et London Cassil qui a le free pass. Donc attention. Et c'est reparti. Bon, drapeau jaune qu'on n'aura pas créé nous-mêmes. Donc ça c'est bien. C'est une petite victoire. Allez, 25ème. David Reagan devant nous. Di Benedetto qui nous touche un peu. Je suis obligé de m'écarter parce que là je suis pas dans ma. Pas dans ma voie, Jimmy Johnson qui est derrière lui, alors là on va savoir pourquoi. Je suis 27ème. Pourquoi Jimmy Johnson est ici? Bonne question, il a dû s'arrêter. Allez hop, Ryan Newman devant nous. Il y a un tour lui, mais bon. Bon, nous, la ligne qui nous réussit le mieux, c'est quand même la voie intérieure. Donc, on va essayer d'y rester. La ligne extérieure est un peu difficile pour nous. Ok, c'est bon, passe, assez propre. Corée Lajoie devant nous maintenant.
Là on a bien pris un peu extérieur. Oh putain, par contre il est lent. Corée la joie, il est un peu lent là. C'est dommage parce qu'on avait fait une bonne trajectoire extérieure. Là on était bien ressorti fort. Malheureusement. DBD Neto, lui c'est un adversaire direct dans la course. Il est devant nous. Corée la joie aussi d'ailleurs. On tente de passer les deux d'un coup. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On en a doublé un déjà. Ouais, je dis que la voie intérieure est mieux, mais pour l'instant, voilà. Voilà ce qui se passe quand on prend la voie extérieure. Donc, peut-être. Au final, la voie extérieure est peut-être un peu mieux. Hein. Qui sait? Et par contre, si je troll, elle a pas tourné aussi. Ah putain. Il y a London Castle qui nous passe devant maintenant. Oh là 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 là. Ah. Bon, c'est pas nous. Ah, du coup, on est 29e quoi, alors qu'on était repassé. Ah, oh, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Et c'est reparti. 28e. Free pass, Ryan Newman. 30e. Au final, pas mal de drapeaux jaunes hein, pour causer un peu à cause de nous, mais quand même. Allez, c'est reparti. Pour sûrement le dernier restart de la course. 31 tours à faire avec l'essence. Oui, large. Enfin, ça le fait en tout cas. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, c'est le money time, comme on dit au basket. London Castle sur nous. On se fait passer. Ouh là là là, c'est qui? Ouais, ça, c'est Bowyer. Bowyer 27ème. Mais il a une voiture du tonnerre là. Par contre, il a une voiture du tonnerre. Attention, attention. Bon, mine de rien, malgré tous les crashs et tout ça, la course est quand même très intéressante. Petit Benedetto qui est là, on va tenter. Bah écoutez, on a vu qu'on a découvert que la voie extérieure pouvait être cool. Bah écoutez, on va prendre la voie extérieure. Hein. On est avec Di Benedetto. Allez. Alors j'ai l'impression que par contre la trajectoire extérieure est plus efficace au premier virage qu'au deuxième. Allez, 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 Di Benedetto toujours devant nous. On est dans le tour du leader, je pense que c'est la première course qu'on va finir dans le tour du leader sans doute. Enfin, je dis ça, c'est pas encore fini, hein, mais... Ok, pas mal ça. Di Benedetto qu'on va essayer de passer. Ah, lui aussi il prend l'extérieur, donc ça, ça m'emmerde un peu. Ça, ça m'emmerde un peu qu'il ait pris l'extérieur là-dessus. Ah, le bon bug de son. On tente de se repasser à l'intérieur. Corée la joie, il me semble. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est bien Corée la joie. Qui nous tente. À l'intérieur. Toujours à côté de nous. Pour l'instant, on arrive à lui résister.
Et en plus, on a l'aspiration de Di Benedetto. C'est pas mal. Très serré. Il m'a un peu gêné, Di Benedetto, mais je pouvais pas me rabattre à l'intérieur. Parce qu'il y a toujours Corée la joie. Et cette fois, il nous passe. On a plus de vitesse que lui parce qu'on est parti à l'intérieur. On était à l'extérieur plutôt. En sortie de virage, on a un peu plus de vitesse. Allez, va falloir se battre jusqu'au bout. Va falloir se battre jusqu'au bout. Tenter de leur passer à l'intérieur. Ça passe. Ça passe. Ce virage là, le deuxième virage, est pas ouf à l'intérieur quoi. Et pas ouf à l'extérieur. Le premier, je peux le prendre à l'extérieur. Le deuxième, faut vraiment que je le prenne à l'intérieur. Regardez, voilà. Le premier, je peux le prendre à l'extérieur. Le deuxième, voilà, c'est à l'intérieur qu'il faut que je le prenne. Et là, c'est parfait. Là, c'est parfait ce qu'on vient de faire. C'est parfait ce qu'on vient de faire. Logiquement, ça devrait aller au bout. Alors, logiquement, on devrait arriver en fin de course sans le pneu mort. Donc, on a peut-être nos chances. Attention quand même, mais on a peut-être nos chances. Il n'y a personne, par contre, on peut prendre l'intérieur, on ne risque rien. Mais 27ème quand même, on roule bien, hein. McDowell, on le rattrape assez facilement. On roule vraiment bien. Il faut vraiment que j'apprenne à mieux conduire avec les pneus vraiment usés. McDowell, je le rattrape assez facilement quand même. Hein. Je le rattrape assez facilement, McDowell. Essayez de le passer là. C'est bon, ça passe. On passe McDowell, 25e, 26e, pardon. Le prochain, c'est Brandon Gogan. Il est juste devant nous. Attention. Attention à pas se chier quand même. Allez, 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 allez. Gogan que je rattrape assez facilement aussi, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. C'est bien la 25e place. Allez, allez, allez. Allez Gogan. Laisse-toi doubler Gogan. Laisse-toi doubler. Parfait ça, il va nous rester une dizaine de tours. Enfin, il nous en reste 10.
Allez, allez. On fait un très beau run. Attention, j'ai les pneus qui commencent à partir en sucette. Logan qui nous a repassé, j'ai un peu touché le mur. Allez, 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 allez. Faut pas se déconcentrer. C'est vrai que j'ai les pneus qui commencent déjà à. Ouais, voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, on arrive à ce moment. On arrive à ce moment où. Ah putain, j'ai fait une. Un tout petit tic de joystick. Et ça m'a mis dans la merde. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouh là là là. Au secours. Au secours. Allez, allez, allez. C'est tendu. C'est tendu, le money time. Allez, let's go. Let's go, s'il te plaît. Me lâchez pas tout de suite. Les pneus, me lâchez pas. J'ai mordu. J'ai fait le con. Putain, je fais le con. J'ai mordu. Regardez, regardez, je touche à peine le joystick. C'est ouf quand même. C'est ouf. On est en train de lutter. On est en train de lutter. Il y a le premier qui va nous prendre un tour. Oh, s'il y a un drapeau jaune qui tombe ici. Alors là. Comment je suis trop bien. Oh, au secours. Non! Mais non, je voulais pas rentrer au stand. Non. Merde, j'ai ouvert un truc qu'il fallait pas. Cancel. Not pit. Ah mais il y a un drapeau jaune. Let's go, il y a un drapeau jaune. Ah mais je me suis pas arrêté du coup. Attends. Oh si. Ok. Il s'est passé un drapeau jaune. Non mais la course de fou. La course de fou. Il y a un drapeau jaune quand je suis arrivé au stand. Non, je pense qu'il est créé par moi, mais. Putain, du coup, je suis dans le tour. Bon, faut vraiment que j'apprenne à jouer avec les pneus qui sucent, parce que là, c'est vraiment tendu, hein. J'ai juste à mettre un petit coup de joystick et la voiture qui part en couille, quoi. Ça me rend fou. Putain, j'aurais pu me battre pour la. Je me battais pour la 25e place et je suis 26e, mais à un tour, je peux pas faire plus. Bah ouais, je peux pas faire plus maintenant. Putain, je suis deg. Je suis dégoûté. Là, je vais pas vous mentir que je suis dégoûté. Le premier un tour. Imaginez, il y avait un drapeau jaune là. Oh là 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 là, mais non, mais c'est de la merde. Je suis 28ème.
au classement. What the fuck? Je suis 28ème au classement. Ça me paraît super haut. Et voilà un super cascade, hein, vous pouvez le voir. Ouais. Denny Hamlin, Fast Head Lap. Ok, on s'en fout. Livre de track. Bon, ma 26ème. On va regarder si on n'a pas des messages. Et puis ça sera la fin de la vidéo. Ah, oh, je suis dégoûté. Alors, est-ce qu'on a reçu des messages? Annoyed, Corée la joie. Ouais, on va s'excuser parce qu'en vrai. Lui aussi va s'excuser. Hop, on s'excuse. Cela, on a fait une course de mort. Bon, bah écoutez. Écoutez, prochaine course, ça sera où? Prochaine course, ça sera où? Donc la 8ème épreuve se passera à Bristol. Ouh là 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 là. Attention, soyez au rendez-vous pour cette course parce que Bristol, c'est quelque chose. Bristol, c'est quelque chose. J'espère que la vidéo vous a plu. Et voilà, petit pouce bleu, petit commentaire si vous voulez parler d'un truc ou quoi. N'hésitez pas, abonnez-vous. Et voilà, à plus YouTube.